Et bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes vendredi et le vendredi c'est le Let's Play sur Fallen Order, tout simplement. Que nous allons du coup continuer. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on était arrivé. Ah oui, on était retourné sur la planète Kashyyyk et sur la planète Kashyyyk on était arrivé dans les Terres des Ombres ou je sais plus quoi exactement. Où nous devions retrouver Tarful. Tarful nous a dit qu'il fallait aller encore plus loin et qu'il y avait des trucs qui étaient oufissimes. Et que je ne sais plus exactement. Donc on va redécouvrir ça tranquillement, ensemble, parce que je ne sais plus exactement. On va du coup couper ceci, couper cela, et on va peut-être lancer vite fait, parce que il faut que je coupe ça déjà avant. Sinon vous allez entendre la musique et du coup c'est idiot. Alors, où se trouve le jeu par contre? Vous avez l'impression que je ne sais plus où on en est, mais si. J'ai juste plus où on en est au niveau du jeu, par contre. Ça c'est vrai. Je sais plus où est-ce qu'on en était. On s'était arrêté. Je sais qu'on avait passé le deuxième checkpoint, mais je ne sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté exactement. Un peu plus de son de mon côté. Est-ce que le jeu va apparaître? Oui, non, peut-être. Il devrait arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté exactement? Un petit peu de ventilation, j'ai un peu chaud. Jedi Fallen Order. Donc du coup, Kashyyyk, oui, mais où exactement? Continuez. Bon, ouais, t'es à fond? Non. Alors. On s'était arrêté là. Ok. Ok. On était où exactement? Ah oui, on devait aller à l'arbre des origines, c'est vrai. Donc oui, on avait fait le lac, les terres d'ombre, voilà. Il y avait deux coffres, tiens, je les ai même pas vus. Et du coup, voilà, là, village désert, il y a un coffre à récupérer et on a la zone juste après. Bonsoir. Attention, il est là. Informez l'inquisitrice. Je vais le retenir. What the fuck? Faites attention! Tirez! Tu peux pas me résister! Je tire! Il n'arrive pas du... On va enfin s'amuser. Oui, attendez, je cherche à... Ah, ok. Je cherchais à le viser. Pas chassé. Hop là! Aïe. Encore! Ok. Quel ennui! Je t'aurai, Jedi! D'accord. Oui, de la puissance! Mais. Encore c'est rouge et tout, d'accord. Ça va. Joli. Et un petit peu chiant, mais compris, ça va. Voir. Allez. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit morveux de braquin qui joue au Jedi? Ouais. J'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour venir pointer ton nez ici. Après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille. J'aime tellement avoir tort. Ok.
Bah viens alors, viens. Ah. Viens qu'on se la mette. Ah, ça c'était un mur. Ah, j'ai pas pris ma bouteille d'eau, mince. Youhou. Youhou. Ah. Accroche-toi. Accroche-toi tout court. Bah merci en fait. Allez où là? Let's go. Ouh. Ah, Donkey Kong Country, je reconnais ce jeu. Pas mal cette séquence. Ah, par contre là le jeu m'a bien aidé pour sauter parce que sinon j'y arrivais pas. Hein. C'est trop bizarre ces points. Ouf. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La 9e sœur cherche. Je dois appeler. Réflexion faite. Elle écoute toute leur oui. Transmission. Elle le découvrira elle-même. Ah, mais un coffre là. C'est le coffre qu'on devait chercher ou. C'est peut-être ça. Off. Non, descend. Voilà. Qu'est-ce que ça va être? Du bronzium. Ouais, du bronze, quoi. Ah, un point de sauvegarde. Monte. Monte. Non, monte. On est où exactement? L'arbre des origines. Ah non, c'était même pas. Il y avait du coup un coffre village désert. Alors. Il va être royalement chiant. Non, merde. Ah, bonjour. Bédé, Steam. Mais... Voilà, merci. Ah, cool. C'est bien. Pendant longtemps, les Wookiees ont pèleriné à son sommet. L'arbre les guidait. L'arbre la guidait. Ah ouais, la guidait. Oh là. Ouais. Ah. J'ai besoin d'un skin, BD. Hop, hop là.
sais pas s'ils peuvent descendre. Lise. Louise. Bon, on va aller par là. On n'a plus qu'un Steam, bon. Admettons. Où c'est vous? Cramer les trucs, ça, si? Je sais pas. Chut! On connaît pas ses intentions. C'est ça qui a abattu la 9e sœur. Oupidoupidou. Oupidoupidou. Oh. Ah. Bonjour. Comment allez-vous? Je me croirais dans Monster Hunter. C'est pas le bon jeu. Les plumes de son. The fuck? Qu'est-ce que. Oh putain, je suis complètement défoncé. Je suis complètement enfermé dans le trip. Debout, essaie encore. Oui, mais j'y arrive pas, maître. Oui. Bien. Continue à échouer et à essayer. C'est le seul moyen d'y arriver. Ne te laisse pas entraver par ton ego et de faux semblants. Tu dois oublier toutes tes craintes et te relever. Ben ouais. Encore. Pas toi encore. Oui. Le double saut. On a le double saut. Oui. L'essentiel, c'est de se relever, BD. Tant qu'on peut se relever, on peut encore se battre. J'ai enfin retrouvé ma maîtrise d'avant la purge, avant la mort de Maître Tapal. Ah, cool. Donc, on a de nouvelles compétences disponibles. Ok. Alors, on a ça, l'esquive de précision. On a traction implacable. On a ici du coup, ben ça faudra le prendre. Amener de la force, ça faudra le prendre. Ah oui, on va avoir le lancer de sabre laser, consomme de la force, LBY. Ça c'est cool. Ouais, on a pas mal de petites choses. Se reposer. Hi, I'm fine. And you? Et merde. Ah, c'est par là. Et merci pour le follow. Thank you. Ah, c'est les bestioles de. Ah, mais c'est. Attendez.
C'est la maman de ce que chevauchait. Tu crois qu'on peut l'aider? Yes, I'm fine. I'm fine. C'est... Je m'ennuie, Michel. Voilà. Darkpool, mon ami. Je comprends maintenant. Cet arbre relie le cœur de la planète. Ouf. Ce missile. Eh ben donc. Pouette, 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 pouette. Très joli plan. Très joli. Il y a un coffre là-haut. Il me faut ce coffre. Pourquoi j'ai appuyé sur le bouton? Pourquoi? Je voulais aller trop vite. Bon, très joli plan. This is beautiful. Et maintenant, tu peux sauter. Bravo. Alors, faut aller. Ok, donc, du coup, faut repartir là. Et aller là-bas. Ok. C'est vrai que le jeu est très beau, hein. Franchement. Le jeu est vraiment très beau. Chutsu en épique. Non mais c'est vraiment le jeu est très beau. Voyons ce que t'as trouvé. Ah. Ouais. Je préfère ma cape bleue. Je me pète la gueule, ça serait très rigolo. Hein. La guidance. Un Wookie a fait tomber ça en grimpant à l'arbre. Un genre d'épreuve. Okay. Il y a quelque chose tout en haut. Ok. C'est... Il y a rien là. Pour un coffre. Curieux, hein. Fait tout. T'as trouvé quelque chose. Ah. La discrétion. Si avec ça on n'est pas discret, pas un truc encore plus. Ah ouais. Bon, je préfère la cape. Oh là là. Bonjour. Oh. Merci, BD. Ok. C'est un autre truc à analyser, ça, là-bas? Non, d'accord, c'était juste... Juste de la merde. La guerre des clones. Ah bah oui. La guerre n'a jamais cessé ici. Alors tout ce qu'on a fait, ça n'a donc servi à rien. C'est un peu ça. This is the Clone Wars. Ok. Ah.
Touloulou, tout, tout, poète, 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 poète. Touloulou. Oh là là. Qu'il est fort ce cal. Ah, et puis un point de sauvegarde. Cool. Cool. On va pouvoir utiliser nos points de compétences. En fait, je pense que ça n'a rien à voir avec Star Wars. Mais ce que je pense à ça là, à l'instant, ce serait bien de faire Persona 5 en fait cet été. J'aurais bien aimé que Persona 5, le jeu de base, enfin P5R, sorte sur PC, ça aurait été cool. Mais bon. Malheureusement. Ah, mais attendez, on va peut-être attendre d'avoir 2 points de compétence pour avoir ça déjà. Là, il faut 3 points de compétence. Donc, ouais, il faudrait qu'on ait au moins 5 points de compétence. Faire Persona 5, ça serait vachement bien. Je l'ai, j'ai émulateur PS3, j'ai tout. Alors, j'ai le jeu, hein. Calmez-vous, hein. J'ai le jeu, évidemment, sur PS3. Mais vu que c'est chiant de capturer la PS3, bah, autant utiliser l'émulateur. L'émulateur qui fonctionne mieux que le jeu d'origine, fonctionne mieux que la console d'origine, vu qu'on peut au moins jouer à Persona 5 en 60 FPS. Alors les cinématiques sont toujours en 30 FPS, mais on peut au moins... avoir le jeu en 60 FPS, ce qui n'était possible à la base que... je sais pas pourquoi j'ai fait des doubles sauts. Ce qui n'était possible à la base que sur PS4. Et je crois que même, peut-être même PS4 Pro. Donc bon. On verra bien. Non, d'ailleurs, je le mette à jour l'émulateur PS3, je pense. Est-ce qu'on se le fait ? Monster Hunter, es-tu là ? On peut l'aider, mais faisons attention. Je ne veux pas l'effrayer. Hé ! Ça va aller. On voudrait t'aider. On est des amis, d'accord ? Des amis. Ça ira. Mmh. C'est un morceau du vaisseau de la 9e sœur. Ah. On doit lui enlever. Ce sera douloureux, d'accord ? Je suis désolé. Ni 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 ni. Merci BD. Oh, il y a un coffre là-bas. Ça va mieux. Oh. Oh. On lui devait bien ça. Nous sommes l'ami des animaux. L'ami des animaux. Là-bas, il y a un coffre. J'ai vu. Ah ouais, ça va être trop bien maintenant. On décolle. Faire les doubles sauts et tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, BD ? Oh non. Non, on garde notre... on garde notre peinture nabouesque. T'as trouvé quelque chose ? Mon ami. Jamais je n'avais vu de spectacle plus grandiose qu'au sommet de cet arbre. Ok, tout droit. Rien d'autre, hein. Ok, il y avait 3 phoques. Trois phoques. N'importe quoi. 3 coffres, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? D'où ? Tu veux vraiment nous emmener ? Non, là, il fait caca, là. Avatar, je reconnais. L'Empire est encore loin de pouvoir tout contrôler. Oh, si beau, hein. Surtout ces nuages en JPEG.
Nous. Alors. Oh, est-ce que c'est la bombe nucléaire? Ah non, d'accord, c'est pour le sabre. Bien joué. Oh, Cal. Oh, Cal. Oh, Cal. Oh, yo, 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 yo. Sabre laser à double lame. Très efficace contre les ennemis nombreux. Utilisez l'attaque de force pour éliminer des groupes importants. Continue, ok. Oh, yeah. Ok. Allez, à la Dark Maul. Il y en a maintenant paix et justice. Ah oui, donc du coup, on va pouvoir voir ce qu'on a. Bon, ça, c'est toujours là. On va garder... Ah oui, il serait très grand, celui-là, du coup. On va garder ça. Ah, ça, paix et justice. Mais du coup, c'est quoi le bronzium? Bronzium. On va garder ça. Et hop, plus de jambes. On a un vrai bâton de gymnastique. Tu cherches un truc? On a un vrai bâton de gymnastique, quoi. Alors. Je l'ai trouvé. J'ai achevé ma quête. L'astrium. Utilisé il y a des millénaires par les sages et fous. Je tiens entre mes mains un morceau de l'histoire galactique. Je ne pourrai jamais suffisamment remercier Tarful. Sais-tu ce que cela veut dire, mon ami? Inutile de retourner sur Datomir. L'obscurité nous empêchait de trouver l'astrium dans le tombeau de Couchette, mais la force... La force nous a ouvert une toute nouvelle voie. Le tombeau de Couchette. C'est tout? Le tombeau de Couchette. De Couchette de fruits ou de Couchette de... De Couchette. D'accord. Bon bah go. J'aime me rouler dans la boue. Soit. Lise. Oh. Ah. Je t'ai retrouvé. Finissons-en une fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi la deuxième sœur te croit si important. Elle aime ses souvenirs, mais... Je suis pas du genre nostalgique et franchement, tu n'en vaux pas la peine. Alors finis ton sort. Ok. C'est quand tu veux. On a peur de prendre quelques risques. C'était rien du tout. Ah. Je tue qui en premier?
Le latéral ou l'humaine? Ouf. Qui me plaît, pas toi? On peut pas changer, d'accord. J'ai quasiment rien senti. Allez. On a peur de prendre quelques risques? Phase 2. Ouf. Aide-moi, Billy. Ouf. Ah, il fallait changer de bouton, quoi. Et paf, dans ta mouille. Je saigne même pas. Ah ouais? C'est con. Allez. Ah,
Hors de question. Non. Je savais pas qu'elle allait faire cette attaque-là. Ah, c'est con, on l'avait presque. Ah, je suis déçu. Ah, c'est con, on l'avait presque. Là, je savais pas qu'elle allait me sauter dessus, quoi. Non, mais... Mais tu peux te protéger, Cal, aussi. Mais protège-toi. Ah oui, mais du coup, vu qu'elle est dorée, je vois pas quand elle fait... Mais... D'accord. Ah mais... Un autre steam. Un point pour moi. On a peur des coups ? Tu bats de base ? Oui ou non ? Ah, ok, oui. Aide-moi, BD. J'ai besoin d'un skin, BD. C'est quasiment rien. Mais... Ça va, j'arrive quand même à comprendre un peu mieux le combat. Ah merde. Ah mais Je te tiens. Vous avez vu ce qui s'est passé? Salut Technoparites. Patrick Spard.
Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a couru contre le mur, puis après elle s'est retournée, elle m'a donné le coup qu'elle était censée donner. Non, en fait, à chaque fois, on y est presque. C'est ça qui est chiant. Bonsoir. Merci, bonjour. Allez. Tu l'emporteras pas. Mais tu... Ou non, ça va passer. Ok. Non mais c'est ça. Non mais je sais. C'est juste que là j'ai été surpris par son attaque d'Estoc en fait. Je pensais pas qu'elle allait faire ça comme attaque. Et du coup j'étais surpris, ça m'a déstabilisé. Mais oui c'est ça, c'est paré au bon moment pour pouvoir la déstabiliser. Mais là ouais, son attaque d'Estoc, elle m'a. Je pensais pas qu'elle allait faire ça en fait. Ah, mais je vois pas là. Comme un vulgaire rat. Voilà. Hop, là je l'ai vu. Juste une égratignure. Comprends que tu aies peur de moi. Mais fais pas ton saut. Très bien ça. On a peur des coups. Mais c'est très bien ça. Et le jeu.
BD, Steam. Mais est-ce que tu peux te protéger, Cal, par contre? C'est... Allez, je me suis entraîné sur Metal Gear Solid. Ah. Ah. Être une inquisitrice m'a appris qu'aucun revers n'est trop grand. Quand on s'est perdu soi-même, un membre n'est rien. Cal. J'ai été un Jedi. Cal. J'aimerais beaucoup te capturer. Cal. Pour te voir craquer comme nous l'avons tous fait. T'es furieux? L'isolement te rendra foudrage, la torture, les mutilations et tous tes amis. Je te laisserai pas les approcher. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire. Je t'arrêterai toi. C'est en normal. Fais le jeu vanilla, tranquille. T'étais mort. Il fait semblant de dire que j'étais mort. Ça a l'air d'aller. On doit rentrer. Grise et Serré nous attendent. Le mode normal, je sais plus le nom exactement. C'est le niveau de difficulté normal. Neuvième sœur vaincue à... Fantastique. On a plus de vie, plus de steam. Voilà, c'était le combat shonen comme il le faut. Est-ce qu'on le prend tout de suite, notre petit point Voilà. On va le prendre tout de suite, comme ça, moi, ça sera fait. Ah oui, hein, là, c'est découverte. Ah. J'ai vu que le début sur un autre stream. Voyons ce que t'as trouvé. Ah, un ponchou. Ah, oui. Ah. C'est pas là, c'est là. Après, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, nous avons vaincu la 9e sœur. Formidable.
Non, c'est... Ah. Ah ouais. N'arrive pas à y... Ah bon. Bonjour. Aïe. Aïe. Perfect. Achoum. Surtout ne pas les laisser m'atteindre. Ah. Tu m'auras pas. Pleure tant que tu veux. Hé hey, Jedi. Comment ça? On avait pas dit le scanner, ça? D'accord. Ah mais non, pas si. C'est parce qu'on a été là. Hein? Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Bonjour. Comment allez-vous? Je te tiens, traître. Pas mal. Aïe. Où ça? Il dérange. Par ici, BD. Mais ah, aïe. Ah, ça va pas durer. Non, on dirait les gens du fusil à pompe d'hier, quoi. What the actual fuck? Il m'ennuie avec le porc, cassez-vous. Oh là là. On dirait les gens au fusil à pompe d'hier dans Soldier of Fortune, quoi. Ah oui, d'accord, c'était pour ça. Hey, BD. Ah ouais, en maître, il y a un boss que t'arrives pas à passer. Bon, de toute façon, on le fera pas en... non plus dans tous les niveaux de difficulté, hein. Du coup, l'idée, c'est de retourner, voilà, retourner au vaisseau. Ah, ok, c'est... D'accord, c'était mal expliqué. D'accord. En fait, gauche c'est pour un seul sabre et droite c'est pour deux sabres. Je pensais que c'était le même bouton. Ah mais du coup je peux aller là. Oui. Yes. Allez, va acheter un œil. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Ouf. Non, on va garder notre. On va le garder, je pense, jusqu'au bout. Aïe. Oui. Oui, du coup on peut ressauter là et tout. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est un véritable open world. Impossible de passer.
Il n'y a pas quelque chose là? De toute façon, c'est impossible là. C'est toujours possible par là, je suppose. Ou alors on prend. Ah, mais non, on peut faire ça et monter là. Hein, oui. Ah, oula, oui. Attendez, j'étais pas prêt. Le Jedi s'est soigné. Attention, grenade. Il ne survivra pas. Mais où c'est la voix de... Aïe, oui. Attention, Jedi. Mais... J'aimerais... Vise les gens, quoi, bordel. Bon, on va mourir. Hein. Mais j'aimerais. Déloque-le, mais j'appuie depuis tout à l'heure. Il pourra pas tous nous arrêter. Faut vraiment que je change de manette. Hein. Pareil. Merci. Mais j'ai jamais appuyé sur ce bouton-là. C'est un droïde de sécurité. Tu penses à ce que je pense? Ah, on peut maintenant pirater les droïdes de sécurité. Ouais, non, mais je sais. Ah, il y a d'ailleurs un petit délai. Non, c'est pas ce que je voulais. D'ailleurs, un petit délai, parce que oui. Je savais qu'il y avait un point de sauvegarde. Maintenant, on va pouvoir le faire. Ah mais d'accord, ils sont pas là. Ouais. Il y avait pas un truc là normalement. Ah mais il est pété, hein, il est pété. Du coup, s'il est pété, bah, faut qu'on fasse demi-tour comme ça, là. Est-ce qu'on peut pas monter? Bon, bah, let's go. Hein. Ah, mais non, mais idiot con. Voilà. La. Oh là 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 là, quelle classe. Techniquement, le système entier appartient à l'Empire. Alors on ferait bien d'exterminer ses partisans. Ouais. Bonjour. Hey, vous avez vu ça? Ennemi en approche. Bien sûr. D'accord. Comment faire pour l'attraper? Ah, allez-y. Ah. Allez. Merci. Ah. Bonjour. C'est pas par là qu'il faut aller. Bah, vous allez rester là, monsieur. Ah, il y a un steam pack à récupérer. Ah, c'est ça le secret. Ah. Ah bah ouais, let's go. Je te tiens, tu me tiens. Oh. Allez, tape. Ah ouais.
Là, si je reviens là, je reviens là. Attendez, il y a un truc là. Allez, je vais voir. Et non, d'accord, on redescend. Ah ouais, vers les terres d'ombre. Ah bah non, non, on va pas aller jusqu'aux terres d'ombre. Non. Il y avait pas un truc là. Bonjour. Ah, mais j'ai déjà pris, ok, d'accord. Ah, du coup, faut refaire le tour. Oh. Bonjour. D'accord. Oh non, ça lui a pas plu. Au secours, pitié, aidez-moi. Faut que je fasse le tour. Oh. 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 Il n'y avait pas un truc qu'on n'avait pas pris ici. On a pris tous les coffres. Ouais, faudrait retourner là-bas, quoi. Ça? Je ne fuyais pas, je cherchais une meilleure position de tir. La prochaine fois, trouve-toi une plus près. C'est le Jedi. On a intérêt à se méfier plus vite avec, ça finirait comme ça. Hop. Toi, un chef-le. C'est là. Alors. Ok. Donc ça c'est bon. Ah mais du coup quand on fait le tour ça marche. Pas compris. Oh oui, les temps de chargement déguisés, on aime ça. Il n'y avait rien qu'on avait oublié. Ah si, si, si. Ah, il y a deux coffres qu'on n'a pas fait. Ah. Alors, il y a deux coffres qu'on n'a pas fait ici. Ah bon. Comment ceci se fait-ce? On y va. Allez, va jeter un œil. Qu'est-ce que c'est, BD? Ouf. J'aime bien BD en jaune Pikachu. Ah, il y en a un. Alors, celui sur Bogano, je crois que j'ai déjà eu. Non, c'est celui sur Zeffo, je l'ai eu, je crois. Sur Zeffo, je crois que je l'ai eu. Là-bas.
Ah bah donc du coup j'en ai eu un sur défaut, je crois. Ok BD, qu'est-ce que c'est? Bon, on va garder notre poncho jaune. Ça va bien avec BD1 qui est en jaune et notre vaisseau qui est en mode Naboo. Bon, comme ça on a fait ces deux-là. On peut se cassouiller. Cordova pense que la clé du sanctuaire est sur Datomir. T'as trouvé ton Wookie? Ouais. Mais là-bas, ça se présente mal. L'Empire deux sur Bogano, ouais. Des inquisiteurs? Eh bien, Trilla, la deuxième sœur, mm-hmm. Où qu'elle se trouve, elle est toujours à notre poursuite. C'est l'air d'être dégueulasse, ce qu'ils mangent. J'ai vaincu la neuvième sœur. Au total. Cal, quand l'Empire m'a capturé, j'ai résisté. Je me disais que je préférais mourir plutôt que parler. Mais après... Ça va être très salé, Michel. L'Ombre est arrivé. C'était pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai voulu résister. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai livré Trilla. Ça va être très salé. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour réparer ça. Mais Cal, nous avons encore une chance de sauver les enfants de l'Holocron. Ok, écoutez. La neuvième sœur a évoqué le fait de devenir inquisiteur comme si c'était inévitable. Mais vous avez vécu les mêmes choses qu'elle. Et vous êtes là pourtant. Cal. Tout va bien, Ciri. On trouvera l'Holocron de Cordova. Hé ! Fiche la paix à mon assiette avec les lasers ! Ça va être vachement salé. C'est une 6. Elle utilise le côté obscur de la force. Un peu comme... Ben ça, faire le... En fait, c'est comme tout jeu à la complexionnite aiguë, on va dire. Collectionnite aiguë, c'est que pour faire le 100%, faut y aller. Hein. On change d'air. Alors, faut savoir que Datomir, j'y suis jamais allé. Alors qu'on peut y aller dès le début. Ouais, Bogano n'a pas tout exploré, faudrait qu'on explore un petit peu plus. C'est parti. On met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Datomir ? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Pourquoi ? Une fois sur place, moi, je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force appelée les Sœurs de la Nuit. Elles maniaient la Force ? Quoi, comme les Jedi ? Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Leur pouvoir... Manipulation. Ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Pour finir, elles ont presque tout été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. Les Sœurs de la Nuit de Datomir. On approche de notre destination funèbre. Assieds-toi, petit gars. Allez, petit gars. Ah bah oui, le New Game Plus, forcément. Bah c'est bien si c'est ce genre de jeu où le New Game Plus, tu gardes tout. Ça, c'est cool. Je suis à bord, enfermé, la coque est solide, j'ai un Jedi, tout roule, ouais. Cal, tu as un instant? Tu as beaucoup progressé depuis Braca, mais il reste du chemin à parcourir.
Je veux que tu sois conscient des difficultés qui nous attendent. Je m'en sortirai. Je sais que tu en es capable, je ne dis pas le contraire. Et je sais ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai déjà fait. Cal, même les plus forts des Jedi... Je ne suis pas Trilla. Ça ira. Je le sais très bien, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Tout va bien, Serré. Vraiment. Sois prudent, Cal. C'est tout. Ok. Je vais être prudent. Pour l'instant, voilà. Je vais être prudent, mais je sais pas la route. Ok, wow. On va voir. Wow. Heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonnerait qu'il soit du genre amical. Wow. Ça veut rien dire, hein. Bonjour. Ah oui. On va bien voir, hein, si on en chie, c'est qu'il nous faudra chercher autre chose. Donc il nous faudra XP. Super. Merci. Attends, hop. Monsieur Épinard. Merci pour le follow. Tu as eu une déco. Bah ça ne vient pas d'ici en tout cas. Alors là, par contre, j'ai rien compris. Il était mort, mais il m'a tué. Le double KO. Mais j'ai rien compris. Il était mort, mais il m'a tué quand même. Ouais, d'accord, c'est même quand il meurt. En fait, quand il meurt, il fait un dernier coup. Ok. Ça, c'est fait. Ce que je voulais faire. Mais ça se spawn kill quoi. Regarde ça. Ah,
Il y avait quelque chose là-dedans. Il y avait une prime. Ouais. Un petit peu d'XP en plus. Une sœur de la nuit qui pratique son art. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est... Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Quand on connaît, même quand je regarde un stream et que je connais le jeu, je me dis, ah mais... Voilà, c'est souvent, par exemple, moi j'avais pas fait ça comme ça, et soit ça fait des choses bien, soit tu te dis, ah mais c'est con parce que ça j'aurais, ça je l'ai mieux fait et tout ça. C'est vrai que c'est... Une mise en garde. Ah. Eh BD, j'ai besoin d'aide. Au travail. Qu'est-ce que c'est, BD? Ouais, l'émetteur Magus. Quoi, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Et après, on revient au vaisseau. Ça sert à rien. Je me sens faible, BD. Beau travail, BD. Porte fermée. Pour monter là. On va faire le tour. Par contre, je sais pas du tout quel jeu on fera après Fallen Order. Soit on se fait juste des petits streams comme ça en attendant les vacances entre guillemets de juillet. Ou là, on fera peut-être Persona 5. Que j'ai déjà fait, hein. C'est comme Persona 4, même si Persona 4, je l'avais pas terminé. J'avais déjà fait le début. Persona 5, je l'ai fait. J'ai fait la bad ending. Et j'ai fait la good ending, enfin on va dire la première good ending, quoi. Ah mais d'accord, il y avait un passage là et moi comme un con j'ai fait le tour, ok. Donc on fera peut-être Persona 5. Bon, c'est même pas peut-être, je pense qu'on le fera quand même. En fait, le truc, c'est que... ça va vous sembler bizarre, hein, mais... On fera un stream, comme ce qu'on avait fait avec Among Us sur le MacBook Pro. On fera un stream sans doute à partir du MacBook Pro. De toute façon, que je sois ici ou autre part. Et on utilisera donc du coup Parsec qui permettra, faut vraiment que je fasse une vidéo à propos de Parsec, parce que j'ai une autre chaîne YouTube, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais voilà, faut vraiment que je fasse une autre vidéo, enfin une vidéo sur Parsec, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et je pense qu'on utilisera Parsec et on fera du Persona 5 via l'émulateur PS3, via... cet ordinateur là, mais utilisant le MacBook, enfin bref. Parce qu'évidemment, hein, l'émulateur PS3 n'est pas disponible sur macOS, il faut pas déconner non plus. C'est déjà que ça utilise des choses très précises de DirectX, c'est très précise de certaines cartes graphiques. Alors,
C'est quasi... ça n'arrivera pas. Hein. Je crois que les Zephos étaient là. C'est étrange. Ce lieu semble abandonné, mais... Oh, bonjour. Comment allez-vous? Tu n'es pas le bienvenu, Jedi. Tu dois être une sœur de la nuit. Je vous croyais toutes disparues. Pas toutes. Tu n'as rien à faire sur Datomir. Va-t'en sur le champ. J'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, mais peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je cherche... Non mais... Attends, je suis pas un ennemi. Tes actions disent le contraire. Attends, je ne veux pas... Ah, attendez. Qui c'est? Ah, je l'ai manqué. Il fuit. Attaquez l'indestructible. Aïe. Allez. Et tu sais où il est le Steampack ou vraiment tu cherches ou est-ce que c'est une zone que t'arrives pas à atteindre ou bien que tu n'arrives pas à le trouver? Il a fait du-du-du-du, je crois, non? Du-du-du-du. Ah non, c'est juste pour dire, waouh, ouais, super. Ah oui. Super. Super. Ah mais d'accord, on revient... Mais non, mais c'est moi qui ai fait demi-tour, idiot. Il faut aller là-bas. Ah, on a un point de sauvegarde. Ouais, ça du coup. Ah, bonjour. Ok. Ils sont assez résistants quand même, ils sont plus résistants que les Stormtroopers qui ont une armure. Expliquez-moi quand même. Je crois que l'autre il est en vacances. Ah oui, non mais d'accord, mais non mais. J'ai besoin d'aide. Tu manques de conviction. T'as perdu tes moyens? Des frères de la nuit. Ah oui. Ouais, c'est sûr que le jeu doit être un poil plus facile quand t'as Steam. Quoique, il y a quand même un délai avec le Steam Pack, donc forcément, c'est moins... Je les vengerai. Simple. Et du coup, les Steam Packs, tu les gardes en New Game Plus? Et du coup, New Game Plus, c'est salaud.
Ouille. Pardon. Un slim BD. Ok. Ah. Bah, j'avais dit, si t'as trouvé tout, déjà 6 Steam Pack à ce niveau-là du jeu. Cette course. Oh, il est classe. Ah, du coup, on va quand même le garder jaune. Oh, putain, il est classe. Moi je crois que j'avais quand même utilisé tous les Steam Packs. De toute façon c'est... c'est dans la VOD. Hein. Je crois que j'ai dû me reprendre une fois pour le combat de Trilla, je crois. Bonjour. Oh. Reviens là. Tu ne peux pas gagner, étranger. Tu vas devoir faire mieux que ça. Oui, aïe. Tu veux bien m'aider ? On a 4 sur Zepho. Ah bah là, tu as au moins la planète. Tu as au moins la planète où se trouve celui qui te manque. Ok, donc on a un raccourci. Un raccourci de où vers où? Ah, vers la zone de sauvegarde. Ah. Bon, au moins on a ouvert le raccourci, ouais. On va voir. Oh, oh. Une amérante. Apparemment, tu as croisé la sœur de la nuit, mais... contrairement aux autres, tu es vivant. What did you sell, Len? Non, 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 le cache pas. What did you buy, Len? Tu expliques que tu as survécu. Come back any time. Oh non, non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. Oh, je étudie la nature de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les sœurs de la nuit? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Tu as l'air d'être quelqu'un de très très gentil. Elle n'était qu'une enfant quand ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines? Oh, elles sont millénaires. La sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Je me rappelle un personnage dans Warcraft. Évite les ruines, ou tu connaîtras les mêmes sorts. Bah les couilles, frère.
What the... Oula. Ouh, l'animation qui est à moitié bourrée. Quoi? Attention. Ah. Il est devant. Salut, on peut grimper, mais pas sans équipement. Ah, oh, hein? Ah. Meurs! Les marais seront ta tombe. Ok. Wow. Go, go, Power Ranger. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ah, mais heureusement que ce monde est bien foutu. Franchement, ce monde est cohérent. Ah. Aveuglement. D'avoir 3 points de compétence pour prendre la compétence de lancer de sabre. Bonjour. C'est verrouillé. C'est déconnecté. Non mais là c'est d'où on vient, Michel. Je préférais me suicider. C'est bien ce que je pensais. Tu ne saurais aller plus loin. Écarte-toi. Non, ce qu'il disait était vrai. Quoi? Qui ça? Les Jedi sont des voleurs et des menteurs invétérés qui ne répandent que la mort. Recule. Si tu m'attaques à nouveau, je te jure que je te tuerai. Oh, je ne te ferai rien. Mais mes sœurs assassinées... Ah mais je connais, c'est Mass Effect. Ah oui. Elles vont avoir leur revanche. Ou Doom. J'ai vu les mêmes créatures dans Doom. Oula oula. L'animation aux fraises. Oula oula oula. Cha cha cha. Lot. T'as trouvé quelque chose? Sœur de la nuit mort vivante. Je me sens pas bien, Béné. Mais du coup, si je reviens, que je sauvegarde et que je reviens, elles sont là. Donc après, j'ai juste à éternuer et je les tue, quoi. Après, le fait d'avoir plus de steam, c'est pas juste avoir plus de vie, c'est aussi de moins avoir à revenir à des sanctuaires. C'est aussi ça aussi le gros intérêt. Aïe. Pour ça, ils m'ont juste enlevé un poil. Encore des morts vivants. Mais si. Ah, si tu connais Mass Effect, tu connais forcément le Stygien. Quitte ce lieu. Mais. Le taurien, pardon. J'ai besoin d'un skin, BD. Quand tu as les... Ah.
les Adafiachi, les sœurs Asari, qui sortent de cocon dégoulasse. Je me sens pas bien, Bene. Au travail. Tu paieras pour leur mort. Hein? T'as les mains, oui. Comment la sœur de la nuit arrive à nous suivre? D'ailleurs, il y a Mass Effect Legendary, je sais plus quoi, qui est sorti. Fais attention, tu mets les pieds. Attends, tu as des pieds, toi? Ça, les clones de la Sari. Ils sortent du cocon. Est-ce que tu connais cette créature volante? Je préfère pas le découvrir. Ah, d'accord. Oh! Un coffre. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Un mélange de ça et de Doom, en fait. Il y avait quelque chose là-dedans. Ah, Power and Control. Si tu as le EA Play, je vais dedans. C'est surtout pour le 1, ouais. Mais surtout, il n'y a même pas qu'il pique les yeux, il y a aussi le fait que parfois pour le faire fonctionner avec des machines modernes, c'est très très bizarre. Peut-être qu'avec des patchs ça change, mais c'était la version originale sans patch. Ah. Dans un sens, je préfère avoir le Game Pass. Qu'est-ce que ça fait, Jedi? Parce qu'avec le Game Pass, bah en fait, vous avez le EA Play standard, dont évidemment ce jeu est issu. Le saviez-vous, mais maintenant quand vous prenez le Xbox Game Pass sur PC, vous avez également le EA Play. Pas le EA Play Pro, mais vous avez le EA Play. C'est Mirror's Edge que je voulais refaire en stream aussi. Parce que le 1 je l'ai fait, le 2 je l'ai jamais fait. C'était le Mirror's Edge que je voulais faire en stream. T'atteindront.
Ah, lui est Play Pro, ouais. Lui est Play Pro, faut bah du coup repayer si vous voulez le Game Pass plus. Plus lui est Play Pro du coup. Allons voir. Mais bon, à l'heure actuelle, très franchement, c'est pas sponsor ou quoi que ce soit, même si ça me dérangerait pas que Microsoft se sponsorise, mais c'est pas sponsor ou quoi que ce soit, mais très franchement, c'est hyper avantageux d'avoir le Xbox Game Pass. Pour 10 balles, vous avez accès, je vais pas dire à tout le catalogue, mais vous avez accès. Vous êtes bien là, monsieur. Pam, or, vous disparaissez. Vous avez accès à quasiment tout le catalogue Bethesda. Et t'as pas besoin d'avoir une Xbox en fait. Tant que t'as un PC, tant que t'as un bon PC, c'est bon en fait. Hein. Enfin, t'as un bon PC. Tant que t'as un PC, tu prends le Xbox Game Pass PC qui est à 10€ et tu as accès au. Donc, du coup, tout le catalogue Bethesda, vu que Microsoft a racheté Bethesda, vous avez accès à. Une bonne partie du catalogue EA, vu qu'il y a un accord avec les deux. Vous avez évidemment les jeux Xbox. Vous avez certains jeux indépendants qui sont dans le Game Pass. Donc vraiment, pour 10€, vous avez votre bonheur. Je sais pas où je vais. C'était par là. Maintenant, si vous avez un téléphone Android, ça arrivera sur iOS aussi, mais vous pouvez prendre sinon le Xbox Game Pass Ultimate qui a l'option cloud. Mince. Ah bah oui, même si pour l'instant xCloud n'est pas encore au point, vous avez accès au cloud aussi. Même si moi je préfère faire la solution d'avoir un. D'accord. Oh, ok. Ah oui, ça vaut franchement pour 10€. L'étranger est plus puissant que nous. Ça vaut vraiment le coup. Déposez vos armes. Nous devons nous rendre. Non, je n'ai de là déjà. Oui. Bah avec un Android, normalement, tu peux avoir accès du coup au xCloud. Et en fait, xCloud, ce que c'est une. Alors pour l'instant, c'est une Xbox One. Pour l'instant, c'était là. Pour l'instant, c'est une Xbox One. Donc en fait, tu as accès à. Alors, pas tout le catalogue Xbox non plus, pas déconner, mais à pas mal de jeux optimisés Xbox. Évidemment, il faut connecter une manette Xbox, bon, en tout cas une manette compatible à ton téléphone. Mais t'as accès à quelques jeux qui normalement sont sortis sur 360, sont sortis sur Xbox One. Pour 12€. En fait, pour 10€, t'as l'offre PC Bethesda et EA. Et après, pour 12€, tu as le Xbox Game Pass Ultimate qui a également xCloud. xCloud est également, d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, bon, tu n'as pas d'Xbox, mais pour les gens qui ont une Xbox, si vous avez un abonnement Xbox Live Gold pour le multijoueur, tout ça, prenez le Game Pass Ultimate parce que dans le Game Pass Ultimate, vous avez l'abonnement Gold d'offert, entre guillemets. Donc pour 12€, bah en fait votre abonnement Gold il est là. Hein. Plus les jeux, plus tout. Ouais.
fait, je vois pas où il faut aller. Elle est où? Là-haut. Je suis con. Ah non mais ouais. Bah dans les jeux Bethesda, bah il y a évidemment Skyrim, il y a les Fallout, il y a Doom, il y a Wolfenstein. Il y a quoi d'autre? Ah mais ok, d'accord. Ok, j'étais con. Ah bah Fallout. J'avais installé Fallout 4 et en... alors oui, par contre. Si tu veux jouer avec des mods, c'est mort. Pas que les mods sont pas compatibles, c'est juste que c'est tellement la chienlit pour les rendre compatibles. En fait, théoriquement, on peut installer des mods dans Fallout 4, par exemple, ou dans Skyrim, mais c'est tellement chiant que vaut mieux peut-être avoir la version Steam pour installer les mods. En fait. Parce qu'en fait, tous les programmes annexes de la communauté sont faits pour la version Steam ou la version de base. Ils sont pas faits pour la version Game Pass. Donc du coup, c'est chiant. Mais par contre, si tu veux y jouer sans mode, qui est un peu con pour un jeu Bethesda, bah du coup, oui, tu peux te le faire sans mode, sans problème. Mais bon, à vrai dire, le jeu, c'est comme si le jeu, tu le payais que 10 balles, quoi. Donc... on va peut-être arrêter de... On va peut-être se détendre un peu, quoi. Est-ce que je peux sauter là-haut? Steam BD. Merci. Aïe, ouille, aïe, ouille, ouille, aïe. Un accès près de la porte. Donc on va aller par là. Très belle réception. Je sais pas où on est, mais très belle réception. Non mais ouais, c'est pour installer les mods, c'est vraiment vraiment chiant quoi. Voilà encore une de ces choses. Oui, bravo. Ici,
Ah, il y a des plantes à récupérer. Cal. C'était une arène autrefois. Les frères de la nuit. Ah oui, d'accord. C'est... Je pensais qu'il passait à travers le truc. Ok. Ah mais c'est vrai, il s'attaque. Pikachu, attaque Fuelian. Non, pas du tout. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Oh, j'ai trouvé quelque chose. Ouf. C'est bon. D'à chaque fois venir sur moi là. Steam BD, je te revaudrai ça. Bonjour. Vous voyez quelque chose? Bonjour. BD, je crois que c'est ton truc. Excellent. Hey BD. Excellent. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Ah. On peut se mettre en full noir du coup. S'est craché. Il fuyait quelque chose. Ah oui, d'accord, c'est le vaisseau de l'autre gars. Ah d'accord, c'est limité dans le temps. Oh Michel, s'il te plaît quoi. Y'a quoi par là en fait du coup? Hein? Ah si, y'a ça. Les sœurs de la nuit appelaient leur leader mère. Sa magie était redoutable. Ah oui, d'accord, c'est... Non, l'autre. Mais... Cal, arrête d'être débile. Le truc est juste devant toi. Tu peux pas le louper. Ah oui, non, mais ça, je... Ça ne me dit rien qui vaille. Ça, je me doute qu'il y a énormément de trucs à fouiller, ça. Mes frères, aidez-moi. Il tremble de frère. Ah, ouch. Un
Tuez l'étranger. BD. La mort dans les bras. Et c'est la mort. T'as assassiné. Allez, viens là. Bon, on va... Non. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Il faut qu'on se dirige vers le prochain point de sauvegarde. Qui est là-bas. On va crever avant d'y arriver. Vous n'avez rien à faire ici. Les frères vous tueront si vous restez. Ah oui, d'accord, là c'est un... Je suis certain que ton pouvoir les dépasse. Mais... Cal... Non. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça fait déjà donc du coup 2 heures de live, c'est cool. On continuera du coup la semaine prochaine, mercredi prochain. C'est vraiment cool. Ah mais la chaud, les marrons chauds. Là, on était à ça de crever. Mais bon, on est réussi à y arriver. Mais j'ai pas activé le raccourci parce que Cal a sauté dans le. Enfin, j'ai voulu sauter puis après faire un deuxième saut pour revenir en arrière et il n'a pas revenu en arrière, j'ai fait un saut sur place. Du coup, Bézax. En tout cas, merci d'être passé, c'est très gentil. On se revoit donc mercredi prochain 20h30 pour la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, je le dis parce que évidemment ça va faire partie de la VOD, donc du coup je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, machin, tout ça. Je le dis rarement, mais bon. Quoique là, ça fait quand même 3 lives que je pense à le dire, donc bon. En tout cas, passez une bonne soirée, passez une bonne journée ou bonne soirée, ça dépendra quand vous regardez aussi cette VOD. Et moi je vous dis à mercredi 20h30. D'ici là, portez-vous bien et stay safe et bon week-end. Allez, ciao.